On va avoir un mois de juin assez chargé et on va tous bien évidemment kiffer comme des oufs. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. The Boys saison 4, nouvelle bande annonce, nouveau trailer évidemment de la série qui est sorti là il y a à peine quelques heures à l'heure où je tourne cette vidéo. Au début j'avais pas fait gaffe et après je me suis dit bien quitte à regarder ça, j'ai quelques heures justement devant moi en plein samedi après-midi, et bien autant faire ça en petite vidéo réaction des familles, histoire et bien de se faire plaisir. Comme tout le monde j'attends beaucoup, enfin comme tout le monde, tout est relatif évidemment, mais je pense qu'on est beaucoup à attendre cette saison 4. Je dirais même que c'est peut-être la saison la plus attendue de la série depuis la grosse surprise de la première saison il y a quelques années déjà. Je pense en tout cas c'est la saison que j'ai le plus attendu de la série et j'espère que ça va être cool. Je crois qu'on avait eu un premier trailer ou peut-être un teaser il y a déjà quelques mois, peut-être au mois de novembre ou décembre 2023 si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas on est au mois de mai, début du mois de mai, et la série sort bien dans un mois à peine je crois, du moins dans quelques semaines puisque c'est au mois de juin. Un mois de juin qui va être assez costaud puisqu'on aura The Boys, on aura également The Acolyte, mais également House of the Dragon si je dis pas de conneries, mais aussi la nouvelle saison de la série, de l'excellentissime série The Bear sur Disney+. En tout cas ça va être assez costaud, mais en tout cas The Boys, le son est bon, les écouteurs sont mis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en espérant que ça spoil pas trop. Par contre âme sensible s'abstenir parce que pronostic une boucherie hein, voilà, comme dirait Mr. T dans Rocky 3. The Boys, je pense que voilà, c'est histoire de teaser le truc, de donner envie aux gens de voir cette nouvelle saison. Ils vont pas y aller de main morte, je pense, au niveau de la violence, du sang, etc. Enfin, on regarde The Boys, hein, c'est un petit peu, eh bien, on va dire, le faire valoir, eh bien, de la série. Bref, les écouteurs sont mis, je vais arrêter de parler comme d'hab, le son est bon. Eh bien, on regarde ça, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Et voilà. Quand je me retourne sur ma vie, tout ce que je vois... C'est en VF, hein. C'est le merdier que j'ai créé. Butcher. Et j'aurai rien le temps de corriger. J'adore Butcher, moi. Homelander. Je peux faire un seul truc bien. La grosse... Avec le temps qui me reste à vivre. Attente, hein. Je pense de cette saison 4. Et je peux pas y arriver seul. J'y arriverai pas sans toi. Oh. Ce pays est corrompu. À un point inimaginable. Il faut faire quelque chose. Ce ne sera pas facile. Nous devons être impitoyables. Pour le bien de l'humanité, vous ne serez plus des people de tabloïd. Vous serez des dieux vengeurs. Montrez-moi votre colère. Ça sent pas bon, Ashley. Oh, ferme ta gueule, Ashley. Désolé, Ashley. Le monde va pas tarder à s'embraser. Billy, on a besoin d'un... Assez sérieux, là, le... Avant que les super ne se réveillent... Le Ronegan, bien ou quoi ? ...traité comme du bétail. J'ai enfin... J'avais oublié, lui, c'est vrai qu'il est dedans. ...à tous merdier. Cette nouvelle saison. Un virus qui ne tue que les super. C'est insensé et suicidaire, même venant de toi, c'est dingue. T'es pas assez désespéré pour envisager le suicide, chérie. Allez, au boulot ! On se bouge, bande de feignasses. Le Frenchie, le moins Frenchie de tous, hein. Entre le bien et faut savoir. C'est notre devoir de lutter contre les stélactivistes. Ils ont bourré les poulets. Qu'est-ce que c'est? Je pensais pas que je revivrais ça un jour dans ma vie. On a tous commis des horreurs. Ce qui est n'importe quoi, c'est que risque d'être intéressant aussi, je pense, dans cette saison. La violence, c'est pas le courage. Violence, c'est le pouvoir. On se comprend tous les deux, champions. Qui veut un délicieux milkshake bien onctueux? Si on veut gagner contre des monstres, on devrait commencer à se conduire en humain. Y'a pas de quoi, bande d'ingrats. J'adore Butcher. J'adore Butcher. Le 13 juin, voilà, j'avais pas la date, mais je savais que c'était en juin. Ok. Eh bien, plutôt pas mal tout ce qu'on a eu là. Alors, un ton que j'attendais pas forcément pour The Boys en vrai. Alors, un ton qui me déplaît pas du tout. En revanche, ça fait plaisir d'avoir un ton plus sérieux, plus tragique
concernant The Boys, hein, sur ce que ça racontera, surtout, enfin, du moins par rapport à ce qui est vendu, hein, voilà. Je pensais que, voilà, je vais partir dans le cliché, mais The Boys, voilà, ça allait vendre le côté gore, le côté décalé un petit peu, ceci, cela, de certaines situations, pour donner encore plus envie aux gens de voir cette nouvelle saison, enfin bref, de rester dans la continuité de la réputation, peut-être, de la série, en vrai, même si je caricature un max, c'est vrai. Mais au final, non, on est sur quelque chose de plus sérieux, vraiment plus sérieux, tragique, où là, il va s'en passer des choses, le côté plus peut-être concerné de certains personnages, notamment Butcher et aussi eh bien, toute l'équipe hein, des Boys, finalement. Intriguant aussi de voir la tournure que va prendre eh bien, Vought et Homelander, notamment vu du teasing qu'il y avait eu eh bien, à la fin de la saison 3, qui donnait assez envie. Et de voir la suite, hein, clairement. J'ai aussi vu la série spin-off qui était sortie l'année dernière, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Gen V, qui était sympa, pas à la hauteur de la série mère, évidemment, mais qui était sympa, ça allait. Là, cette saison 4, ouais, plutôt hypé, quand même, de voir comment les choses vont être faites, ce qui va être raconté, au final, mais assez intriguant, du côté des Boys, mais aussi, surtout, en vrai, du côté eh bien, des héros et de Vought, notamment, de voir comment Homelander va gérer le fait d'être violent ou pas en public. Enfin bref, ça paraît bateau, mais ça peut valoir le coup et ça vaudra sans doute le détour. Je suis chaud. Franchement, je suis assez chaud. Je trouve que, mine de rien, même si le trailer a un ton assez sérieux, où il y a beaucoup de blabla, beaucoup d'images qui sont montrées, des deux camps, etc. Je trouve que ça va, ça en dévoile pas trop, surtout au niveau de l'intrigue notamment. Donc on aura pas mal de surprises, je pense, au final, devant eh bien, la série. Je sais pas combien il y aura d'épisodes, je crois que ça n'a pas été précisé non plus dans la bande-annonce, ou alors je l'ai raté, je sais plus, et je sais pas si on le sait d'avance. Mais combien il y avait d'épisodes sur les saisons précédentes, je m'en rappelle plus. C'est assez ouf, minimum 8, je pense, en tout cas. Mais ça risque d'être ouais, plutôt pas mal. Bon, en tout cas, moi, je suis hypé. Voilà. J'ai pas tant de choses à dire que ça, au final, de plus. Mais n'hésitez pas, de votre côté, à partager vos avis. Est-ce que vous êtes hypé par cette nouvelle saison? Est-ce que, comme moi, vous constatez peut-être un ton plus sérieux, plus tragique, qui est le bienvenu, en tout cas, selon moi, par rapport à cette série? En tout cas, partagez-moi vos avis évidemment en commentaire, en long, en large, en travers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, enfin bref, partagez-moi tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez, le simple fait d'être supposément resté jusque là c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao.